Je m'appelle Georges Leroy et suis domicilié à Péronne-des-Antoins depuis ma naissance en 1920. J'avais 22 ans lorsque j'ai été astreint au travail obligatoire en Allemagne. À l'approche de mes 98 ans, je n'ai pas et ne parviendrai jamais à oublier les souffrances et misères vécues en déportation à Königsberg, en Prusse orientale. De décembre 1942 à juillet 1945, date à laquelle je suis rentré en Belgique dans un état pitoyable, ne parvenant même pas à soulever un seau d'eau. Dès mon retour, j'ai dit maintenant, je veux vivre. Pour moi, ma déportation est un malheureux film qui tourne en boucle dans ma tête. Parmi un des derniers survivants de ma génération, qui a connu les horreurs de la guerre, afin de ne pas tomber dans l'oubli, je recommande vivement, surtout aux jeunes et moins jeunes, la lecture du livre « Les maudits du Steau au cœur du Troisième Reich », rédigé et publié par mon ami Fabien Lemaire, un devoir de mémoire à l'heure actuelle où le monde en a le plus besoin. Et je te remercie tout particulièrement d'y avoir inséré mon témoignage que je vous invite à lire. Certains lecteurs seront peut-être sceptiques en parcourant mon récit. Pourtant, il s'agit de la stricte vérité. Stop.